Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Final Fantasy X. Alors, dans le dernier épisode, Yuna s'était fait enlever par les Albed. On a été obligé avec Tidus d'aller la récupérer, la sauver, même si bon, elle était pas trop en danger. En instant, Waka a fait le match avec les Orox et a gagné contre les Albed Psych, qui est absurde, mais bon. On va pouvoir faire le vrai match nous-mêmes, la finale. Sure you all right, Cap? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the Gores too. Oui, Waka a eu très très mal pendant le match aussi. Miss me? Lady Yuna! Are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. On a appris dans le dernier épisode que Yuna est à moitié Albed. Ce que Waka ne sait pas, bien entendu. Et ça va être notre tour de jouer. Bon, tu lui parles ou quoi? Ah, the game starts soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Mind a bench. I'm warming a bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. Bon, alors, on va prendre cher, c'est clair et net. Mais il y a moyen de gagner. C'est très dur. I saw you floating there on the sphere. Oh, hey, you weren't supposed to see that. Il est vraiment pas en forme, on dirait qu'il est bourré. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. Ça aurait été mieux si... Enfin bon. J'ai toujours pensé qu'il devait... que les mains devaient être connectées. In just a few minutes, the championship game. Les meilleurs souvenirs. But who could have imagined a championship game between these two teams? Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba. Le voilà donc. C'était donc bien lui. Plaisir de le revoir. Je vais pas trop juger le public. FIFA, ils faisaient encore ça il y a quelques années. S'ils le font pas encore maintenant.
Ah oui, il va falloir que je pense dès le début du coup du match, il va falloir que j'appuie sur Select. Parce que... il y a un contrôle automatique des personnages qui est complètement naze, mal foutu. Donc il va falloir que je le désactive, parce que bien sûr il est activé automatiquement. They're already going at it, folks. The goers are taunting the Aurochs. Ouais, faites les malins. Vous êtes une équipe meilleure que la mienne sur le papier, mais moi je suis un joueur humain, je suis pas un bot. Allez. J'ai pas joué au Blitz depuis 15 ans à peu près. C'est bon, j'ai la balle. Putain, je me suis trompé déjà. Voilà, manuel. Et normal. Parce que ça commence, hein. Allez, je fais une passe en arrière. En fait, il va falloir que je passe la première mi-temps à juste faire des passes entre mes persos. Simplement parce que ça fait de l'XP. Et en plus, mes persos sont nuls de chez nuls. Donc il va vraiment falloir que... oh là là. Il va vraiment falloir non seulement qu'il gagne de l'XP, mais aussi que je... que je ne prenne pas de but. Alors je sais pas faire le con, le truc c'est que Bota, voilà, il est proche d'un attaquant et j'ai très peur qu'il se fasse prendre la balle. Ah. Je gagne du temps surtout. Ok. Et merde, il perd la balle. Le problème avec les Aurochs, c'est qu'ils sont tellement nuls pour récupérer la balle. Ouais, il a deux de tacle, tout pourri. Deux de tacle, quoi. Ça fait partie des pires... enfin, ouais, ils font clairement partie des pires joueurs de Blitz du jeu, quoi. Et là, il va tirer de là, il va pouvoir marquer. Il a une bonne chance de marquer, mon gardien, il n'a que 5 en arrêt, quoi. Un truc de ouf. S'il marche, je suis day. Ah, c'est bon. Bien joué, Kipa. Ok, il la passe à la bonne personne, c'est cool. On va... non, on va tempo, hein, écoute. Il se rapproche pas vers moi, bah écoute. Je vais la passer un petit peu encore à Bota. Bota et Jasu, c'est les deux défenseurs. Et c'est important qu'eux, ils aient des bonnes stats en tackle et tout le bordel. Donc, s'ils peuvent se passer la balle souvent, en tout cas, ça peut être cool. C'est tout con, hein, mais c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à la première mi-temps, parce que les persos sont tellement nazes. Là, ce serait intéressant si j'essaie de les bait un petit peu pour qu'ils se rapprochent vers moi et que je la passe à un attaquant pour qu'il marque juste avant la mi-temps. Parce que tant qu'à faire, autant all-in à ce moment-là où il peut pas riposter. Ce sera pas vraiment all-in du coup. Donc là, je vais essayer de la passer à Tidus. C'est même pas je vais essayer, c'est je vais le faire. En plus, c'est hyper important que Tidus gagne un niveau. Parce qu'on pourra prendre le jack shot et ça nous fait un but donné. Alors, je fais un forcing, je le rate pas. On a une bonne chance de marquer. Ah, on marque pas, putain. J'avais 8 de tir et le gardien avait 8 d'arrêt. C'est con, mais c'est comme ça. Bon là il devrait pas pouvoir marquer, il lui reste 12 secondes, ça devrait être mort. En plus c'est même pas des vraies secondes, elle passe tellement vite. Voilà, mi-temps.
The Gores are just playing great, Baba. Really great. Ah bon? On voit le même match où ils montent pas de level. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Que les Gores ne montent pas de level. Et voilà, toute mon équipe monte d'un niveau. Tidus, il va pouvoir apprendre le jack shot. Letty, il a plus en passe. Jasso, plus en physique. Ouais, il taille que dalle. Et mon gardien gagne plus en arrêt. C'est génial. Zone defense, boys! Stop those goers! What about me? Get the ball and just shoot like crazy! Goers are going down! Yeah! Shoot like crazy! Down! All right, hustle! Allez. On retire le sphere shot et on met le jack shot. Par contre, ce sera la seule chose qu'il sera capable de faire pendant le match. J'aurais dû mettre un marquage, je suis con. Bon, ça devrait pas m'impacter normalement. Et c'est encore moi qui ai la balle, c'est nickel. En fait, faut appuyer le plus tôt possible quand on voit le mot engagement. J'ai fait tellement de matchs de baseball que je sais très bien quand il apparaît. Alors, ce que je fais, c'est que je passe à Jasso, qui passe à Blota, qui repasse à Jasso. Ça fait gagner du temps. Et ça laisse le temps à mes attaquants d'aller devant. Je vais demander à Jasso de reculer un peu. Se récupère la balle. Ce qui serait bien, ce serait qu'il puisse déborder une première fois le défenseur. Ou alors, non, c'est bon, ça sera bon. Nickel. J'ai le jet shot. Alors là, si je marque pas. Merci. Public encourage Azorox. Bah tu m'étonnes. Mais c'est hyper stratégique hein, mine de rien. Enfin pour le premier match hein, après. Ah oui, j'avais dit qu'il faut appuyer le plus tôt possible quand on voit le mot engagement, mais par contre quand on vient de marquer c'est automatiquement l'équipe adverse qui a le ballon. Ah il tire d'ici. Le pire c'est qu'il a une chance de marquer, mon gardien est tellement pourri. Il faut que le tir en haut à droite descende en dessous de 3. Ça y est. Il a passé mon défenseur, c'est nickel. Je suis même. C'est quoi, fuck it? Allez, on leur passe à Tidus. On fait un tir de là. On perd rien. Bon, allez. Ça passera pas, mais. Ah si, ça passera. Par contre, je devrais clairement pas marquer le but. Sinon, c'est une arnaque de ma part. J'ai cru qu'il allait tirer de là. Il me semble qu'il va y avoir une petite interruption si je dis pas n'importe quoi. En effet. The fans are getting impatient. They're calling for some action. Le jeu il s'attendait pas à ce que je gagne à ce moment-là. Everyone seems to be calling for Waka, folks. Malgré que tu viens juste de marquer le jet shot, c'est dommage, Tidus. Say, where is that player going? He's leaving the sphere pool.
He may be injured. Mais non. Alors il restera 2 minutes à tenir avec ce cher Waka. Faut juste pas se prendre de but, hein. C'est même pas la peine de marquer. To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. Oui, malgré le plus beau but de l'histoire que tu viens de marquer. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Waka. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Là je crois que je refais les équipes. Ah non, même pas, c'est automatique. Et en plus j'ai la balle, donc c'est tellement gagné. C'est n'importe quoi. Tellement gagné, j'ai même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer. Merci, tiens Waka. Par contre il a 3 en passe Waka. Il a jamais passé de balle de sa vie. Ça rate. Il est tellement mauvais en passe que ça a raté. Alors que l'autre était juste à côté, quoi. Oh bah il passe la balle. Ça va que le jeu il nous aide quand même. Je vais jouer au timing. Il a 16 de tir quand même, hein, Waka. C'est comme Tidus avec le jet shot. Hein. Oh, dommage. Ah, c'est encore un autre attaquant qui récupère la balle. Bon, il a moins au tir, mais. Comme je disais, histoire de faire perdre du temps. C'est gagné! Je le dis clairement. Et voilà. Et bah génial. Finalement c'est pas si dur que ça quand on a l'habitude de jouer au Blitz. Si c'est vraiment le premier match qu'on fait, on a limite aucune chance de gagner quoi, c'est un truc de ouf. Mais là. Unbelievable! The Aurochs win, folks! This is one for the record books! C'est pas un peu étonnant la demande de sauvegarde juste après la victoire? C'est pas le moment de se noyer, mon vieux. Oui, ils peuvent vivre et respirer sous l'eau, il n'y a aucun problème avec ces mecs-là. Terminator. Bien sûr. On n'a pas fini avec ces ennemis-là, hein, c'est tout doux. Ah, Waka est même plus capable de les tuer en un coup maintenant. Tidus il le fait toujours. Je pense que je vais garder le flip-flap de Tidus. On va toujours attaquer le plus proche, hein. Enfin celui qui est le plus proche d'attaquer après. Ah. Bon.
Ah bah c'est... Il y en a qu'un qui vient cette fois, donc ça doit être la fin du combat quand même. Ok. Je pensais qu'on a toujours pas utilisé l'overdrive de Waka. Enfin. Obligé de faire un coup critique pour one-shot un ennemi Waka. Ah encore ! Je pense que je vais utiliser encouragé, j'aurais dû le faire depuis le début, mais je pense pas que les combats allaient s'enchaîner comme ça et que ça allait être le même combat. Est-ce que tu one-shot maintenant ? C'est bon. Rien que pour ça, ça valait le coup. Ah putain, je pensais qu'il y en a qu'un qui revenait. Attaque le B. Attaque le A. C'est bon, c'est le dernier. Putain. Encore un point de vie. Tout ça histoire de me mettre Waka dans le jeu. Est-ce que vous lâchez des sphères comp à tout hasard? Des sphères physiques par contre. J'ai pas compté combien d'ennemis j'ai buté, mais... Ça risque d'être un combat épique. Lol. Auron. Sir Auron. So, you do know him? Yeah, best guardian there ever was. Ça, on s'en battait plein à Bessaïd, ça devrait pas être un problème. Si tu peux l'aveugler. Je sais que j'ai déjà une balle qui aveugle, hein, mais... Ah, oh, c'est vrai qu'il est empoisonné, j'avais oublié que... J'avais plus mis la balle qui aveuglait à Waka, j'avais mis la balle qui empoisonnait. C'est encore mieux. C'est un peu dégueulasse hein, parce que quand un de mes persos est empoisonné, ça enlève un quart de ses points de vie à chaque tour. Et là ouais, 180 c'est clairement pas un quart de ses points de vie à lui. J'ai remarqué que j'ai plus de potions plus que de potions normales. Autant utiliser celle-là. Ah, il riposte à chaque fois en fait. Problème que ça. Toujours pas de sphère pour. Hey, give me a break.
Ah, faut avouer, c'est autre chose que Valfort. Hein. Si ça, c'est pas le geste du mec qui avait tout prévu. Allez. Intéressant à savoir, là il porte la coupe parce qu'on l'a gagné le match. Si jamais on perd le match, à ce moment-là il tient une balle de blitzball et ça rend les choses un petit peu plus ridicules. Leaving, Captain. Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but. Come on, look sharp. The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. Captain. I can't hear you. Captain! Voilà. Et à partir de là, c'est nous qui prenons les rênes. Are you sure? Never liked long goodbyes anyway. Sorry for making you wait, Yuna. I had some promises to keep, yeah? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. Hey you, don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by Sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanark, and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault! Uh-huh. Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Braska, and I. Together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you. So that one day, I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then, I felt something object there in that shell, couldn't you? You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision! But I don't have a choice, do I?
You're the only one who can tell me what's going on anyways! I have to go with you, I have to! Irritating, I know. Or are you afraid? It's all right. Auron. Will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. Bah, je vois pas en quoi, en fait. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Donc ouais, c'est la première grosse révélation du jeu. Que effectivement, l'identité de Sin, c'est pas juste un monstre venu nulle part. Je vais juste te joindre simplement pour... Je m'en fous des matchs. Y'a personne qui vend des sphères, ça m'arrangerait en fait. Ah, ils vendent que dalle d'intéressant. J'aime bien comme le jeu nous donne, littéralement, nous donne au début du jeu une arme fraternité qu'on a en haut à droite avec attaque physique plus 5. Et après, il nous propose d'acheter glaive avec attaque physique plus 3. Je comprends pas le... Je comprends pas. Ah. Oui, parce que ça y est, hein, bien sûr, Auron nous rejoint. Il n'y a aucun problème là-dessus. Personne veut lui dire non. Voilà. Revenez quand vous voulez. C'est très gentil, très aimable. Je pense que je vais traîner un tout petit peu plus sur Luca pour... Ouais, il doit bien y avoir un ou deux manuels d'Albette qui traînent par là. Et je vais commencer à faire un petit recrutement de Beast Ball. Parce que ouais, au final, c'est hors de question que je joue avec les B-Side de Rocks. Hein. C'est assez dur comme ça. Je peux pas acheter de ballon, c'est très décevant. Elle, par exemple, il me semble que c'est une joueuse. Ah non. J'essaie d'appuyer sur carré, mais ça marche pas. Think he's gonna stay here? Sir Auron knows him, apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. Mais non. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh! Whoa! Sir Auron! J'adore la réaction de Sidus. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right, everyone? Of course, no problem at all. But why? I promised Braska. You promised my father? Thank you, Sir Auron. You're welcome to join us. C'est-à-dire que le père de Yuna savait qu'elle allait devenir invoqué. He comes too. Alors, oui, juste un truc. Hi, guys. Howdy. J'arrête pas de dire invoqueur, c'est parce que c'est écrit comme ça en français, j'y peux rien. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Il aime bien jouer sur l'ironie, Auron. C'est quelque chose qu'il faut remarquer dans ses conversations. Hey, watch. Hey, you got pretty good.
You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Allez, on est parti. Shouldn't laugh anymore. We should get separated. Just whistle. I'll come running. I promise. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Voilà, donc j'ai rien dit parce que... Bon, ça me faisait marrer quand même, mais... J'ai déjà vu ça 15 000 fois. Ça a été largement parodié. Il y a même une version du jeu qui est sortie. Avec... Les musiques du jeu uniquement doublées par le rire de Tidus. Donc ça c'est une longue route qu'on prendra plus tard. Juste avant de commencer, voilà, je veux juste aller à la sphère et maintenant, grâce au succès des Aurochs, les sphères de sauvegarde vous permettent désormais de vous téléporter au stade de Luca pour y disputer des matchs de Blitz. Et voilà, ça nous dit qu'à partir de maintenant, on peut jouer au Blitz quand on veut et... recruter les joueurs de Blitz qu'on veut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement... Je vais pas m'entraîner. Je vais certainement retourner à Luca pour essayer de récupérer des objets si jamais j'en ai manqué. Je filmerai tout ça. Je montrerai ça au prochain épisode. Et je ferai sans doute un match de Blitz. Ce serait cool que je fasse un petit match de Blitz et je mette le petit résumé au début de chaque épisode. Et ben, en tous les cas, on a avancé encore une fois. On va pouvoir continuer dans le prochain épisode sur la route de Mylène. Je vais me renseigner et puis on fera le nécessaire. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine dans Final Fantasy X.